On a dans nos mains un booster de cartes magiques The Gathering de l'édition Ténèbres sur Innistrad. Une édition qui est sortie le 8 avril 2016 et qui comprend 317 cartes différentes. Cette édition fait partie des extensions. Et donc on a un booster en version française dans les mains que l'on va ouvrir afin de découvrir ce que l'on a à l'intérieur. Forcément, 28 avril 2016, c'est un booster qui est vieux de plus de 4 ans. On continue notre petit tour d'horizon des cartes magiques de Gathering avec le petit logo de l'édition. Et donc on va faire défiler. Alors on a premier, allez, le jeton, indice. Puis on va faire défiler les cartes. Alors, buff de l'inquisiteur, composant de l'énigme, résolution impitoyable, capitaine inspiratrice, claqueur de la Silburlinde. Architecte stoïque, envoûteuse d'osier, urne de versatilité. Oh, on a déjà une commune! Donc ça veut dire qu'on a une foil. Alors là, j'ai un petit souci de comptage parce que il n'y a que 8 communes. Alors c'est vrai que peut-être qu'il y avait une carte de moins dans ces boosters-là. Bon, bah on va faire défiler. Hein. Donc déjà, on a un jeton, 8 communes. Et puis on arrive à la première, une commune. Missionnaire Avacinia. C'est parti. Concentration brisée. Une commune. Et voilà la troisième loupe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va découvrir? On a un terrain. Alors, je sais pas pour les terrains. Il me semble que. Bon, il y a. Il y a l'abbaye du Val d'Orient, peut-être, qui est sympathique. Bon. Donc, c'est un terrain. Ah, un terrain, une commune. Ah non! Donc, on a 4 une commune, c'est la carrière de pierre. Donc, c'est un booster un peu différent. Et c'est vrai que celle-là, effectivement, elle est double face. En fait, cette première, une commune. Voilà. Donc, la quatrième, c'est la carrière de pierre. Voilà, donc maintenant on va continuer et on arrive à notre rare, c'est une verte. Bon, alors en vert, il y a quand même quelques trucs intéressants. Allez, c'est parti, c'est une rare masse inexorable. Bon, c'est pas une grande valeur de. Une carte d'une grande valeur, mais on continue. Alors, voilà, la carte des recto verso. Et la folie est une rare. Ouh, une rare foil, encore un booster avec une rare foil. Partisane poil argent. Bon, c'est pareil, c'est pas d'une grande valeur, mais alors, pour les collectionneurs, c'est pas courant d'avoir une rare foil.